Cheikh Tayib Ndiaye dama ne il y a un an et demi bi Macky Sall di doga tok ñu organisé won ben débat Sud FM 19h entreprise Marag Mubarak lolu ñu invité won enregistrement yaangi fi mu nañ len ko jox dama ne won ben réew mu melni Sénégal soxlawul une juridiction comme CRI pour combattre la corruption. Ndax on a les meilleurs corps de contrôle qui font un excellent travail. On a la Cour des comptes, on a l'IGE, on a la CENTIF, on a Yokrañ sax ay ofnak qui font de bons rapports qu'ils transmettent. Il suffisait de respecter la procédure judiciaire bu ñep xam dans un système moderne, moi le système accusatoire. Qu'un rapport soit bien fait prouvant qu'il y a eu une mauvaise gestion voilà un détournement de deniers publics voilà corruption ñu jox ko procureur ouvrir une instruction ñu jaar fi ñu wara jaar pour avoir des résultats d'ailleurs so setlo dossier yi jaar ci juridiction normale yi ño gëna avancer que dossier yi jaar kër yi deug la ban dossier mo avancer kër yi mané won nak c'est une option def nañ ko mais soudé liñ ci djublu moy fexé ba séppi ñaar wala ñetti haut fonctionnaires ak peut-être deux ou trois politiciens xamné on veut ça c'est les adversaires ñu bëgg débarrasser né on a réglé le problème de la corruption ils se fourrent le droit dans l'œil parce que ñun duñu sétane lolu dinañ pousser débat bi jusqu'au fond parce que gis nga administration fonction publique liñ wax fonction publique état ñaara ko yor dafa am une composante politique et une composante administrative composante politique bi moy politicien bi def parti mu wër Sénégal fune ne jox len ma rew mi dina fi def li dina fi def li dina fi def li bañu fal ko mom mo am la décision politique mu am les fonctionnaires nga xamné ñom njang concours formation stage titularisation liguey ba retraite mo len fi bay ñom exécutant lañu donc dossier bu am dafa am ñaar ñiko sekk dafa am l'autorité politique nga xamné mom moy arrêter les politiques moy jël les décisions ak l'exécutant té lolou dina feñ bu bari ci dossier bi ñu né légui ñom biñu lancer affaire bi dañu jëk né dañu def audit foncier déggato ñu audit foncier lolou mom man wax na né dina ci organiser débat audit foncier fo mu ñu def dama né ñun man plateau bi la né nous lançons un défi soudé audit foncier lañu bëgg def nañ ko def para ngeen ñew pour ñew ci débat bi tok lér mën nañ leen ci jappalé la wax ñom mais audit foncier bi dafa wara réunir un certain nombre d'éléments dafa am question yo xamné il faut ñu répondre ci moy ban moy mën nañ jël une période ndax biñu jëkke dañuy def audit foncier dañ né 2008 lañ koy doré pourquoi 2008 dédét suñu def audit foncier ñu ko def 2000 ba 2012 wa par exemple dañu jël 15 dernières années par exemple 15 dernières mën nañ dem plus loin sax mais mané pour mu gëna ki rek nañ jël 15 dernières années ñu né légui yane lotissement mo fi am kan mo joxe ordre jël décision ni nañ def lotissement parce que titre foncier toujours titre foncier état la bimu ko jëlé kan mo appliqué ak sur quelle base légale la ko appliqué muy deuxième question ñettel question bi biñu défé ñaaré ba paré kan moy les bénéficiaires de ces lotissements là ñen d'accord ngeen pour ñëw ci débat léral loolu ñett question yoyu mané si le gouvernement est prêt à faire un audit foncier ñun on est prêt à participer à un débat ñu répondre ci ñett question yoyu maintenant lol introduction rek non mané pour délu ci dossier Tayibou Ndiaye du pression bo len du pression dañu né waaw dañu né les gens sont posé la question né voilà c'est parce que dañu laal kenn ci ñom etc ben un syndicat il a vocation à défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres monsieur Ndiaye a été parmi nous pendant 36 ans il est membre du syndicat détenteur d'une carte de membre cotisant liko dal dañu né su dara amulon sax su doon mo togn à 100% sax gis nga même ci diina yonent bi dafa né sa mbokk dang koy jappalé su togné ak suñ ko togné ñima andal né ko suñ ko togné de xam nañ li ñuy def dañ ñew and ak mom xex waye su dé mo togn nak mu né da ngay japp ci loxom né ko señ bi ya togn nañu dem ñaan jek donc même su doon dara syndicat dafa waron ñew solidarité su dé deug mo togn ñu apporter ko soutien moral jappale njabotam ne ko nak munuñu dem plus loin mais soudé xol nañ dossier bi gis ni amna leneen lu ci laqku dañ ni ngeen japp ne dafa am leneen lu laqku lu ci bari laqku na ci dossier bi ta dinañ ko démontrer ben d'abord ay ci lolou koy yakam na ci trop dama bëgg mu leer légui lan ngeen japp ne ci dans la forme
lutax tay bu transiger man lool dama koy laaj lutax bala ñi dem ci transaction parce transaction pratiquement té dama bëgg na nga wax lepp parce que amul luma lire dama bëgg nga wax lepp ci transaction ñan ñoo ci duggoon ñu ci dugg ñu jaax ci tour ñu xam ñan la lepp dina ko wax mën na bañu tuddu tour waaw mais dina wax numu démé mais bala lool dañuy commencer ci commencement bi ñom arrêté nañu ben liste xam nga déjà première question bi sénégalais wara poser moy sur quelle base dañuy arrêté liste bi parce xam nga créé moy système bo xamné c'est un système inquisitoire moy yow papa ale dañuy jël sa tour dougal lañ ci ben liste ba paré doga wër nak ci aduna ba xam lo def lool moy créé mais sur quelle base dañuy arrêté une liste mais diw bokku ñu ci diw bokku ci ta tay su doon dañuy xol l'enrichissement kessé mais amna ño xamné tay bu ñu sëkkat sen karam te kenn bolé wuñ ci liste bi muy première chose mais bolé l'enrichissement c'est mom buñ ko top deug muy secrétaire général syndicat muy dinañ ko top ba fi mu sété wa secrétaire général syndicat nak mom amul dara lalul dara non papa yi sou wax la parce que ay dinosaur yo xam nga la loi sur l'enrichissement illicite da gaay dañu xamul portel yemul fofu ñimu concerné dañu fokk ni ñi exercer fonction publique kessela mais dafa gëna yaatu lolu magistrat yi ci lañ bok notaire yi ci lañ bok les ordres ci lañ bok ordre des avocats ordre et cetera dafa yaatu tous ceux qui sont dépositaires d'une prérogative publique ñom dañoo bok ci enrichissement illicite motax mané bis buñu soré ci enrichissement illicite bi té ñu jaaral ko fiñu wara jaar defina dinañu wër kuy gouverne ñan ñoy gouverner Sénégal ndax dina néw mais dugguma ci détail bobu dama né méthode bi ci bopom arrêté nañu biñu arrêté bolé ci tay bu ndjay est-ce que ñjoton ngeen ko wala ñjotul len ko won man ñjoton nako ndax 2008 bi may nek assise nationale 2008 le nit jog taxaw daldi jël micro bi ne buñu jëlé réew mi ñom ñep dinañ leen tejj daldi tuddu ay tour mu boole ci Taybu Ndiaye ak ki fi neewon directeur des domaines ma ñëw ne Taybu Ndiaye ma jël parole ci assise ya ne leen su dé li moy assise nationale bi bo ngeen tass ko parce que réflexion lañu wax sur le devenir du pays nit ñëw fi di wax ay wax yo xamné amu ci benn firne naan diwu amna kër bu nekk Dubaï ak nangam xam nga Sénégal accusation da fi yomb na ku jog ne pap aliña amna li bindu ko ci internet nga xol forum bi ku nek nak di commenter alors motax man bettuma mais bi lolou amé ñu convoquer ko ne ko légui def nañu seeni enquête gis nañu li moy patrimoine Taybu Ndiaye premier problème bi am moy évaluation bi fofu lay commencer évaluation du patrimoine parce que dafa am luñu jaay Sénégal té lolou amul né Taybu Ndiaye amna 8 milliards 7 milliards Taybu Ndiaye fumu jëlé 7 milliards alu tax nga wax lolou mais dama koy démontrer démontrer ko parce que ñom évaluer nañ ko bu tollu ci lolou d'abord évaluation bi fumu commencé moy dañoo dem jël ben évaluateur bo xamné amul qualité évaluateur manam il n'est pas inscrit dans l'ordre des experts évaluateurs biñu bindé li l'ordre la xara li lettre honneur lettre am la li la luñ ci wax affaire Taybu Ndiaye liral luñu wax dama lire lepp kay cher maître nous accusons réception de votre courrier en date du 10 août 2013 nous demandons de vous informer si monsieur Pape Abdoulaye Malick Yad est régulièrement inscrit à l'ordre national des experts évaluateurs agréés du Sénégal en réponse à votre lettre nous vous informons que nous ne connaissons pas monsieur Pape Malick Yad au sein de l'ordre national des experts évaluateurs agréés du Sénégal il n'est inscrit ni dans la section expertise immobilière ni dans la section évaluation immobilière veuillez agréer cher maître l'expression de nos sentiments du Sénégal madame qui crée jeul pour nous évaluer Mbiru Taybu Ndiaye bokul ci ordre national des experts évaluateurs agréés du Sénégal ñu ngi tuddu Pape Malick Yad ordre bi nga xamne moy ordre national des experts évaluateurs agréés du Sénégal mo len tontu li len bokku ci nenañ bokku ci lool mom leer na te continue ci ben ordre bi fi am kuy expert ta nga am qualité ci ordre bobu nga bok fa lañu wara puiser pour ne gaay dem len évaluer parce que mom moy représenter lui évaluateur ci Sénégal c'est comme l'ordre des avocats c'est comme l'ordre des notaires et cetera et cetera ki xamuñu ko ben ñaaral bi néna évaluer le patrimoine immobilier de Taybu légui évaluation ko mu ngi tollu ci 4 milliards 202 millions voilà évaluation bo xamné yow amul genn kër bo xamné évaluer nga ko te dugg nga ci kër gi
da ngay ñew taxaw ci buntu kër gi jël say photo dem né kër gi évaluer nako à temps defna même expert évaluateur bi mo né won kër Ablaye bi nek point dafa tim océan Atlantique bref mais yow musso dugg ci kër xamoo nombre de pièces xamoo dara nga né kër gi évaluer nako à 900 millions xam nga lolu du évaluation non du sax estimation lolu ay yefu tiaxan la muy premier élément bi moy évaluation maintenant biñu génné ci qualité koku mané patrimoine bi dañ né ñetti patch la patrimoine tay bu ñay waaw dafa am patrimoine immobilier ñu né 4 milliards la mu am le plan financier ñu né ñom ñu ko évaluer à 3 milliards 413 millions ñu né légui le parc automobile ñu daal di lister 4 auto waaw ñetti auto 1 500 000 waaw ma jël ci benn bu nek pour won na ni liñu def sériwul patrimoine immobilier bi yo nga ne damay évaluer patrimoine immobilier parce que liñu wut moy lan moy yow pap alinia est ce que montre bi nga tak am nga ndiegam waaw mais lolu prix montre bi ci bang koy jënd lañuy xol c'est à dire so jëlé en matière immobilière l'immobilier est par essence spéculatif nga jël ben kër bo xamné mi nga cité des impôts 1978 le monsieur ndjay jëndon terrain bi ci coopérative des impôts et domaines cotisé 800 000 dadi dem lepp à la BHS comme tous les agents yi bokon ci coopérative bi 5 millions pour tabax kër gi 1978 la di fay bor bi ni ko paré fay en 2000 xawma ñaata mais levé bañ ni bu BHS def kon kër gogou diké wu ko 10 millions nga dem jël expert mu ñew né kër gi tay suñ ko doon jaay tay ji 119 millions lañ koy jaay ñu né légui tay bu jaay fo jël 119 millions mais tay bu jaay jëndéwul 119 millions donc déjà ci mode évaluation bi mënoné da ngay jël la valeur marchande d'aujourd'hui man tay kër gi ma am man dikéwuma 60 millions waye suma ko doon jaay 100 et quelques millions la koy jaay donc so bëggé essayer évaluer man lima am mi ngi melni suma déggé sa cadre wax bo jëlé autoroute à péage xam nga amone ay temps fi mu jaar waaw kenn bëgg fo won dëkk ma nga tay ji ku fa amone terrain mu doon jaar ay 1 million nga jëndé ko won sax 300 000 waaw parce que yoy la doon jaar terrain yi fop tay ji bokoy jaay ma nga ci am 5 millions 5 millions dédé dina ëpp lolu parce que dafa may infrastructure structure justement okay. Donc yow liñuy sét bien malaké liñuy sét moy est ce que yow bien yi nga yor tes revenus permettre na la nga am ko mais lolu mëno ko jël sous l'angle spéculatif parce que la valeur marchande ce qu'on appelle la valeur vénale d'un bien immobilier moy tay soko don jaay lan la mëna jaar ci marché bi mais kër ko yoron depuis 1979 demal ci cap liberté 4 ñaat la ko nit ñi jëndé won ci cap mais tay yow so bo demone fofu bëgg fa jënd tay do ko jënd donc liñu wara sét moy kiko jënd won ci cap ñaat la ko jënd ak est ce que revenu ñom permettre nako ko mais mëno jël mais ñu né légui duñu jël sax monsieur ndjay né duma jël sax li nga xamné mom la ko jëndé won damay commettre des experts yo xamné ñi ngi ci hors des experts ñi def des expertises bien par bien et on va dire on évalue suivant les critères ñep xam moy ce qu'on appelle la valeur à neuf moy kër gi tay suñ ko doon tabaxat tay ñaata la lay diké selon les coûts des matériaux tay ji ñaata la kër gi di diké ñi dem def lolu kër bi ñu évaluer won 119 millions le rapport d'expertise d'expert égrayé la wax est à 29 millions à la valeur d'aujourd'hui mën nga ko jël bien par bien ba bien yi jeex amul benn bo xamné xawna sax djégé xaju ñom liñu japp ni li moy bama ki dafa nek kon da ngeen def rap contre expertise ngeen contre expertise bien par bien contre expertise yaangi fi fait par des experts agréés té kenn mënu né ñi dañ leen corrompre pour ñu def li wala ñu def la pour te dire premier point sur l'immobilier l'expertise n'a pas été sérieuse ñu aboutir à un patrimoine de pour rien que pour l'immobilier ñu né ça way amna 4 milliards yeen ba ngeen defé sen contre expertise ñaata la leen jox dama lay jox après contre expertise global bi point par point lan la joxé par rapport ak ñom liñu japon ma jël deuxième point bi ñu né plan financier mais kërëm gi nekk almadi mom moy ciow li wa xam nga kër gogu fofu bëgg na ngeen dugg ci xam nga kër gogu palé la fa tax xam nga kër gi né almadi sen ben journaliste bi nga xamné ñu ngi won ci mbir parce que dossier dafa bëri ay fann dañoo dem né dem wax nit ñi dem wax ay ministre de ben journaliste bu nekkul ci mbir moy la non dama né ben journaliste bo xamné dafa jouer rôle bu actif ci affaire bi
dina wax ban rôle la ci jouer. Voilà journaliste joueur rôle sax bari na gis nga chaque jour ñu bind amna ñaar wala ñetti quotidien yo xamné bis bu ñu bind barki dem may gis ben journaliste fena ñu tuddo yarul yegutul man nga wax rek lu bind fu quotidien bi la bëgg tuddu mu bind en gros ci tay bu droit sa terre ba pari da di bind wax accusé accusé alors que jugement amagul mais ça ci la li la mais au nom de quoi mom qui n'est même pas parti dans cette affaire là il a le droit de se prononcer et que Taïbou qui est lui concerné il doit se taire mais xam nga dekk bi ma dama xamul nit ni comment il fonctionne parce que yor nga sa organe lo neex nga bi keur gogou nek ki bi dafa am journaliste bu ci bindu dama lay la keur gi ben journaliste mom ci bopom reconnaître na ni mom mo dem tok ak ministre justice ne ko waji ben château la am bo xamné almadi ken xamul ñu toll mais mom ci bopom bi mu démé ci keur ga limu wax moy mais keur gi dakhul sama keur il y a rien d'extraordinaire man affaireu an ismaïl sid bi motax ma ñëk dem ci keur tay bu xawmo sax mu dëkk musuma fa dem amuñu relation bo xamné taxon na may dem keurum walay démé non bi affaire bi amé la ñëk dugg keur tay bu mais dañoo dem wax dem nañ bané tay bu amna ben hôtel bo xamné 18 étages xawmo bu nekk Dubai ñu daal di def sen commission rogatoire xam nga yi ñi def ni commission rogatoire lekkay xaaliss parce que xam nga d'abord affaireu crédit il faut que ñu wax Sénégal lan la coûté ak lan la jugalagum parce que fune lañu dem ci aduna tégg na dem nañ ci ben dossier fi dem États-Unis dem fofu xam nga système américain ni muy doxé daal di solliciter le juge américain jël détective nangam biñu paré ñu facturer liñ néwon waajoju loolu la am fofu c'était 75% du montant biñ né mom la denc fofu té ba légui fukki dërëm gisunu ko fenn dossier Taïbou Ndiaye bi dégg nañ ben Taïbou Ndiaye bu nek Canada ñu dem fofu xalé bi dafa jekki woté tit trondo la bu ñu tuddé xalé étudiant bu am 22 ans ñu dem fofu woko nan ko woy ñeg ni ñu dem Dubai né amna fa man de gis nako enquêteur bu nek créé mo mëne waji EDN info groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 16 ans chaque fermement 16 ans fofu la mokki créé mo mëne waji amna hôtel Dubai gis nga SMS bi moy envoyer nit ay nit SMS ne len su ngeen demé Dubai dal len hôtel mais papa yow tu vas mission mo nga dem mission Gambie dal ben hôtel gis ni c'est un bon hôtel nga xamni man damay dem Gambie nga ne ma demal ci hôtel ben hôtel bo xamné ben australien moko mom bu associé ak ben nar bu dekk Dubai xam nga mètre carré Dubai bu ñu jaay ñene tay bu jaay amna hôtel à Dubai bref pour dire simplement que il y a une volonté manifeste de charger ce dossier depuis le début et de faire croire aux Sénégalais que Taïbou est multimilliardaire. Mais les gars, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je waji amna ay compte bancaire nga dem ci compte bancaire dañu né enregistrement illicite c'est un délit instantané moy instant biñuy constater avoir bi instant bobu le délit bi constitué nga ñew ci ben compte bancaire compte SGBS nga fekk fa 19487 fofu lañuy apprécier enregistrement illicite mais olé ñu jël le solde du compte nga jël le cumul du compte depuis que le compte a été ouvert en 1976 compte bi xam nga luñ fa don virer les avantages trimestriels de Taïbou les fonds communs mu jël ko depuis ñu ubbi ko 1976 ba légui nga dajal limu am ci fonds communs yeb nga né solde bi fekk na fa 101 millions papa allez yow journaliste nga bi nga commencé ligue da nga ubbi compte chaque mois ñu virer fa sa salaire tay so demone def le cumul liñ fa virer yeb amana ay millions la mais est-ce que 100000 francs ma nga fa ku dem sax amolo jënde essence tay donc ñu dem jël le cumul du compte depuis que compte bi ubbe ko ba légui tu fais la même chose pour le compte BHS nga xamné salaire rek lañ fa doon virer parce que bi mi lepp pour tabax cité des impôts en 1983 dañ ko obligé mu domicilier salaire mu bayé ko fa nak nga jël compte bi nga né 57 millions mo fa nek alors que salaire bi ñu démé direction solde ñu imprimer salaire au Taïbou, lui, moi, en 36 ans de carrière, lui, il ce salaire, c'est 90 millions et quelques. Donc, même 53 millions, ça, c'est tout. Pour te dire. Mais, tu prends ça, le cumul, tu prends ça, 57 millions qui bénent le compte, 101 millions qui bénent le compte, etc. Mais, ce qui est le plus important,
nga dem demander état de droit réel, nga dem ci conservation demander état de droit réel. État de droit réel moy permettre ci ben titre foncier ñu am ñu tracer la vie du titre foncier diwo ko momone duñ paré jaay ko diw titre foncier bi amna hypothèque wala amul hypothèque nangam nga dem nga né amna mom ben terrain bu 500 mètres carrés bu nek ci cap foi ci cap ko jaayoon nga dem demander état de droit réel mais tay bu timit beuri na ay tay ay keur ke dina ci wax lolou bëgg dina ci wax gis nga lepp dinañ ko wax waaw amul ñu neub dinañ ci wax gis nga man dama am plan communication bayil bañu egg ci mais nga né waji amna hypothèque amna hypothèque hypothèque nga dem né damay dem jël état de droit réel gis nga yow so demone jënd ci cap tay sudé ci cap mo demone lepp banque lepp fa ñetti lepp la sax yu bokul mais benn bi 3 milliards la mu nek ko banque dal di hypothéquer titre foncier global bi qui fait 15 hectares man amna keur cité keur goor gi man mi di wax ak yow de 200 mètres carrés tay suma demandé état de droit dañuy def report hypothécaire 3 milliards yoy da ciy feñ tank ci ka paréwul fay dañ koy def report hypothécaire nga dem jël lolu dugal ko ci ni tay bu amna 3 milliards rapport extérieur xam nga lu mu wax néna dafa lepp 3 milliards pour hypothéquer non mu né hypothéquer un terrain de 500 mètres carrés ñu lebal la 3 milliards pour nga dem tabax kër xam nga yenn ni dafa sax gis nga lool procureur spécial sax bimu ko gissé mom ci bopam dafa waro xamni li ay waxu daanu saret la mais pour te dire rek comment gonfler 7 milliards ñi wax loolu moko constituer premier erreur bu reuy bu ñu def moy méthode d'évaluation de l'immobilier deuxième bi moy ñu estimer les avoirs financiers compte bancaire troisième bi moy nga jël ben hypothèque bo xamné yonam néw ci sikap moko def nga dem bolé ko ci patrimoine bi nga né waji il a 7 milliards 400 millions mais légui ñëwal ma ci kër yi lu tax mu bari terrain légui non bayma terminer évaluation bi je te dis biñu génné mu def troisième point bi muy auto yi xam nga papa ali man dès j'ai commencé à travailler en 2001 defena 2001 légui defena amna 6 ou 7 ou 8 auto yu bokul ndax damay jënd auto dawal ko at ñaari at daat koy jaay out benen auto tay ku demone service des mines né imprimer ma luñ ci mësa immatriculer ci touru Ousmane Sonko ko ñom gis ñu auto tay bu ni dédé gis nga ñenti auto yi ñu wax benn auto rek la tay bu mom fim toll ni dama lay jox benn Laguna Renault Laguna bu ñu immatriculer série Z 2002 la won 2002 gis nga lool 2007 la ko tay bu jaay 2007 so demone série des mines di nga gis carte grise fiñ ko barré def ci benen mutation nga jël ko bolé ko ci patrimoine ba paré évaluer ko à 8 millions Laguna kan moko mëna jaay 8 millions tay man dawal na Laguna usine défaratu ko sax nga bëgg ne Laguna bi 8 millions lañ koy estimer instance gis nga ñenti auto yi ñu retenir ben rek mo ci nek ci touru monsieur Ndiaye bu mu yor actuellement moy ben Mercedes mais avoir yim jox yim nek ci touru jabaram ak ay dina ñew ci lolu légui li yépp boko jëlé damay yem ci taw tay bu Ndiaye biñu défé contre-inspective ak évaluation c'est passé de 7 milliards biñ doon wax à 528 millions comme avoir 528 millions de 7 milliards à 528 millions mën nañu produire publier même tous les rapports d'expertise fofu la mujjé légui nga ñu dem jël légui les revenus de Taïbou li mu am mais revenus Taïbou ëpp na lolu dégg na ñu naan fonctionnaire nu mëna amé li xam nga nit yi il faut que ñu wax luñu xam il faut ñu wax luñu xam Taïbou a été fonctionnaire pendant 36 ans. Il a été directeur du CARAS pendant 14 ans, dont 12 ans plein et 2 ans en tant que directeur intérimaire. Gis nga biñu démé imprimer parce que li ma lay wax ni dafa am ay preuves. Dañuy dem imprimer. So démonté direction solde, dañ lay imprimer yow sa salaire. Bi nga commencé liguey ba bi nga retraité, lan nga percevoir comme salaire? Pour les fonds communs, on a les mêmes trucs. Dama lay jox ñaari exemple. Les salaires de Taïbou Ndiaye tournaient autour de 90 600 000 li mu percevoir. Les fonds communs qu'il a perçus tournent autour de 333 435. Les fonds communs, ils m'ont donné des fonds communs. Wow, fonds communs. Non, non, beaucoup moins. Ça me donne des détails fonds communs parce qu'on sait. Wow. Comment ça, mais fonds communs, ils m'ont donné des fonds communs. Wow, dans ma lecture correct. Wow. En tant que directeur, correct. So, so, comment un directeur, nous, il perçoit ces fonds communs. Ça, c'est des revenus légaux. Qu'un statut quoi?
ken wurujuko ken juñjaajuko kumu neex nak nga ne waw est ce war nañu fay ñi li nangam 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 mais dañuy fay fonctionnaire impôt sax fayu ñuko lu mi liggey man ma la ko wax lool mën nañ ci ouvrir débat parce que Sénégal nit ñi dañu fogg ni les gens sont fragiles parce que mën nga tok rek jël ben catégorie rek wala nga am sa ben journaliste rek niko bindal ma mu tok bind ci nit ba lu ko neex gis nga loolu dafa fekk nit ñi ño may ño maye loolu mais je dis dama les émoluments divers yi nga xamné ay cour yi mu joxe enam ay projet yo xamné dañ ko détacher mu nek chef de projet etc etc rek def na plus de 7 millions ainsi de suite biñu totaliser je dis les revenus de Taïbou couvrent largement li nga xamné mom lañ né mom la am indépendamment de tous les autres aspects yi ñu mëna wax légui ñu ñëw ci patrimoine bi conscient du patrimoine wa mais actuellement mëna gaay ñëw mo ñëw ci parce que li tax mo bari terrain ni loolu ñu né loolu am éthique ak décence may na voilà gis nga le débat est très bien posé voilà éthique ak droit la morale n'est pas le droit d'accord nañ ci ça un étudiant de première année de droit xam nako dama né dafa am luñu wax ci suñu dernière publication secrétaire général syndicat bi ma andal mo waron tok fi wax waye dafa am galancor mi ngi ni tok dernière publication bi moko publier dañu né ben il faut sénégalais xam naka lañuy joxé terrain à quelqu'un voilà c'est la première chose deuxième chose ñu lancer un défi ñu gënël ñu ci droit la wax ben disposition bo xamné néna Pape Alé Niang warul am ñaari terrain warul être attributaire de deux terrains ñaari question yi dañ ci répondre doga ñew ci question morale bi parce que lepp dañ koy wax man néwuma fi pour man kay non nu mu lé ci bokk sénégalais sama bokk lo la bëgg gis nga terrain xam nga ñu koy attribuer Sénégal terrain kenn mënul jox bopam terrain amul ku mëna jox bopam terrain Sénégal su dé terrain bi terrain état la titre foncier état la état moy jël décision motax mané ci audit bi nañu commencé wax qui a pris la décision il y aura beaucoup de surprises ak nuñ ko doxalé état moy jël décision né damay def lotissement ci titre foncier bi parce que titre foncier état béko mom gis nga tayou ndjay mënul initier ab lotissement mënul jox bopam terrain bu état jëlé décision né damay def lotissement ba paré ñu né service technique ministère des finances ñu né ministre des finances géré lol ministre des finances moy jël les dispositions à travers la direction des domaines ñu né ñu envoyer un papier à la direction du cadastre envoyer un papier à la direction de l'urbanisme né len wax lé ñu lan moy régime terrain bi ben est ce que titre état la ñaar est ce qu'il y a des possessions ci titre bi ñet est ce qu'il y a des occupants irréguliers wala det ainsi de suite ñoñu ensuite la destination lol urbanisme mokoy def ne bi c'est une zone d'habitation bi c'est une zone industrielle etc etc ñu def lol yep ku nek envoyer sa rapport à la direction des domaines ñu def sen rapport envoyer ko ben commission bu ñu wax commission de contrôle des opérations domaniales CCOD xam nga commission bobu kan moko composer ministre des finances moy président commission bi il délègue souvent un directeur de cabinet moi superviser voilà un conseil technique en matière domaniale moi suivre composition il y a le directeur de lancement et des domaines ministre commission directeur des affaires civiles et du sceau moi représenter ministre de la justice ministre commission directeur de l'urbanisme et de la sécurité ministre commission directeur général de l'agence nationale de l'aménagement du territoire ministre commission directeur du cadastre directeur de la dette et de l'investissement, contrôle financier de l'État et le directeur du matériel et du transit administratif. Nous sommes tous en commission. La commission Bob est réunie pour valider définitivement le lotissement sous la supervision du ministre des Finances, d'aller définir la liste des attributaires. Nous avons gagné la liste des attributaires, mais toi, Pape Alé Niang, l'État a donné un terrain, Bërepp Sangam, l'eau numéro Sangam. Directeur des domaines def ben attestation ñu jox la attestation nga dem bureau des domaines bi compétent chef du bureau des domaines dal di établir bail bi en 6 exemplaires nga signer mu signer ñu envoyer gouverneur sous des régions sous des yenen localités préfet mom moy approuver au nom de l'état
ñu dok ko envoyer ministère des finances fixer les conditions financières parce que yow locataire nga bay nga am ñu né la légui chaque année di nga fay tant pour terrain bi ñu la louer mais ça yé ko état bi soxla waté ci conditions yim ko soxlé dinañ jëlat terrain exproprié waaw légui dans toute cette procédure là ben nit num mu né jog mom remplacer commission bi remplacer gouverneur remplacer ministre des finances remplacer directeur des domaines dadi dem ne terrain bi mom nako terrain bi mom nako terrain bi mom nako lan ngeen bëgg wax fofu li ñu bëgg wax moy nit mënul jox bopam terrain sudé terrain jox nañ ko nit dafa am processus bu mu jaar état bi moko jox par la voix bi mu cité ni sudé nak responsabilité amna mënul don responsabilité yow mi jox terrain d'abord dama né amul ben disposition ben disposition bo xamné mën nañ ko génné ci loi je défie tous les juristes ñu génné ben disposition bo xamné néna yow mëno am deux bo mën amul donc en soi sudé ci droit ce n'est ni un crime ni un délit ni une infraction ñetti qualité ñetti kat une contravention ñetti qualité infraction ñu xam ci droit amul ben boné bo mëna né li amna mais dama né même su doon lolu amna par extraordinaire kan moy responsable bi ki joxe wala ki ñu jox yow so togon fi ñu wala né la jox nañ la bay nga toga ñu wala né jox nañ la bay sudé dañu né won état bi waru joxe deux bo état bi joxe moy responsable wala yow mi ñu jox bay légui mu ñu andi ko légui ci terrain moral nañ ko andi légui ci terrain moral dama né en droit mënu ñu tej nit parce que amna ñaari bo mënu ñu génné ben disposition légui ñu andi ko ci terrain moral man lima wax moy sudé souf ci ñepp ko bok la sénégal man mom moko yow mom moko sudé souf ci ñepp ko bok mën nañu poser débat bi sous l'angle moral est ce que waru ñu fexé ba mbir mi di tourner ba kenn ku nekk mëna am ci souf ci wa mëna dëkk dakar mëna dëkk Non, kenn xamul numu toll biñuy créé syndicat lool bokkon na ci li tax ñu créé ko parce que yeneen syndicat ngi organisé les enseignants les magistrats full jisma am ñu dagal leen ñun ñi ngi won bir impôt man 2001 la dugg impôt bima ñëw impôt ñaa fi téma pikin ma ñëw nek gis ñu yoron domaine bi neleen parce que li gaay xamul direction générale des impôts et domaines ñun ñepp dañ ñuy formé ci même formation ENA mais so guéné dañ lay affecté domaine wala impôt il y a une petite partie biñu yobu domaine ñi ci dess nek impôt man impôt la mësa liggéey mo domaine ñu tok ma dem né waji comme pikine jëm parce que pikine mo commencé pratiquement dali fo bo kilomètre 12 tour mané ko fi rek mo dess terrain ñu tax ñu wax man soutien de famille la su ngeen ñu joxé fi ben 150 mètres carrés mu kër kër yi daal di xool ni ma aménager dem jëli sama mëna gérer sama njabot nekk naa pikine ba jóge fa aw ma 1 cm carré ma ñëw fii Dakar j'ai repris les mêmes démarches on n'a pas eu à un moment donné on a dit ñi ngi jox yeneen corporation yi même fii ci biir kër gi ay lotissement ngi am nee nañu am na ay quota mais ñun gis ñu ko te ñoo créé suñu syndicat comme ñëpp daal di réclamer parce que ay citoyen lañ am nañ droit mais on avait posé des règles très claires benn ku musa am duñ la joxat ku musa am terrain ci ñun doto am ci terrain ben ñaarel bi terrain suñ ko xasse ba jot dañuy définir ay critères yo xamné dafa respecter l'ancienneté dafa respecter l'appartenance à la maison te kuñ ci xass ba jox ben syndicat doto tok bañu né am nañu ak ñu jox motax fimni ni néna la on a une longue liste d'attente ay inspecteurs yu dul jeex yo xamné tay locataire lañu mën nga ko vérifier maintenant dama né lolu c'est l'aspect moral mais ci aspect moral bobu ding ma may ma léral ben mbir parce que la presse a publié ici tay bu menace débalé tay bu menace débalé kenn musul dégg tay menace débal liñu wax dafa simple dañ né soudé lolu lañ koy jappé amuñu base légale ci droit pour japp ko mais mën nañ poser débat bi en termes moral mais à part de ce moment nañ ubbi un débat national ñu xol tay nañ commencer par les autorités politiques nañ commencer ci kaw ba ci souf
nañu commencer par man Ousmane Sonko ku nek ne li moy li ma am ci terrain li moy liñ ma mësa jox ci terrain nañ ko commencer amul kuñu bayyi nak ak poste bo responsabilité bo mëna yor fi mu toll ni wala nga yoron ko ci gannaaw nañu poser débat bi en ces termes là bu boba on est preneur mais ça c'est un débat moral qui peut déboucher maintenant sur des rectifications juridiques nañ ko inscrire dans les codes bu boba on a une xam nga droit dafa né il y a pas de délit sans texte c'est-à-dire sous le texte prévoirul criminaliser ko yow mëno ko criminaliser mën nga né nak ça heurte ma conscience tay soudé amul ben loi bu né nan sangara aram na ci Sénégal yow mën nga né julit nga ça heurte ma conscience mais mëno ci tej nit su ko néxé mutaxof yu nan sangaram donc ce qui est moral n'est pas forcément juridique au sens vous êtes prêt pour poser ce débat mané nañ ko ubbi suba dafa am yo xamné da ngay inviter sa plateau gis nga affaire Taïbou Ndiaye ñu bëri wax nañ ci amna ay journalistes yo xamné hein lu më expliquer ma lu tam transiger wa wa bala may wax lol dama né benen yoon soy inviter man dama bëgg mu doon un débat mën nga xol yenn journalistes yo xamné c'est la curriculum doon sa jurine fa tay rek mu na la cité ñaar yo xamné lu melni témoin ak lu melni journalu xamoy ya xam bay la tuddu xawma mais pourquoi non bis bu ne non damay wax man limay wax dama ko ñëmé dama né mën nga leen convier fi débat sudé li ñi wax woorna nang leen convier fi débat ñu tok jakarlo parce que yor ce journal bis bu ne nga bind saga ci nit bo xamné xamoko mais lutax tay bu transiger voilà aussi c'est un débat bo xamné bëgg na nga légui parce que bu nit démé ba transiger dama melni nangu na légui ñu dugg ci transaction bi voilà c'est important xam nga transaction fu mu joggé gis nga pap ali li tax mané won on a un problème avec cette juridiction là gis nga tay bu ñu ko ñew jël ci je crois le 24 août ou juillet août nañ ko dem jëli kërëm la veille a déposé son mémoire. Je ne crois même pas que lire nañu sérieusement mémoire. Le lendemain fajar lañ ko dem jël. Mais dama lay wax ben affaire. Dans cette affaire là, musuñu bëgg dem au jugement. Parce qu'il y a une dimension très politique dans cette affaire là. Dañu dugg ci enrichissement illicite, di patauger, il leur paraît coûte que coûte ben cobaye bo xamné mom lañuy jox peuple bi. Parce que dañu jaay peuple dañ ko jaay affaire enrichissement illicite mais enrichissement illicite je te dis tout ce qui tourne autour de ñepp ñi wax et puis Sénégal dafa melni beaucoup de gens dafa melni 2012 lañu judd rek nek mak nek di liggéey mais les gens n'ont qu'à être un peu curieux gis nga fonctionnaire moy ko xamné il est traçable topal cursusam rek xolal fuñ ko mësa affecter commencer par moi Ousmane Sonko ngeen def vous allez voir que ñi fi gëna reuy lamagne mais c'est pas des exemples fuñu mësa jaar toxi doone yiñ fa def kenn xamul num tollu mais légui wax ci transact ñu japp Taïbou Ndiaye yobuko biñ ko yobbo néna la dañu préparer affaire bi pour ya une torture morale psychologique nga japp nit yobuko section de recherche nga yobuko ci ben cellule bo xamné amul sax fumu tok caro nga sanni ko fofu bayiko fa 24 heures nak lolu ñi ngi doon préparer seeni mbir biñu paré jël ci ko le lendemain commencé ko navette créer dédé dañ lay yob présenter au juge nga yob ko ba ci juge bi il n'a jamais demandé un retour de parking nga délosi ko parce qu'on dit qu'il y a des interventions venant de je ne sais où nga délosi ko pendant ce temps là il met la pression néna la bobu lañu ubbil cellule bi ay sax ay sen ben mbok journaliste ak kenen ñoy ñew dañuy ñew def médiation ben journaliste bu dugg fofu di mé waaw ñu ubbil ko mu ñëw né day def médiation mais les journalistes di wuté ci ay cellule bay def ay médiation procédure bi lool la non attends il faut qu'on sache aussi journaliste mo dugg fofu dem dañ ko ubbil mu né il vient au nom du président de la république il parle au nom du ministre de la justice ñëw né da fay convaincre Taïbou parce que li alal jallu ko lég li nangam def ay navette su wax ak Taïbou genn daldi woté né def na contrat di petit petit lool ban justice la alors que même ses avocats pendant période bobu dañ leen écarté won pour mëna mettre la pression sur même recadrer un peu autrement dit bagn ko jëlé té ko tek ko dugal ko fi nga xamné modi cellule bi mom ay avocats amuñu won accès ci mom mais jël ben journaliste dugg na ci cellule am di wax au nom du président de la république et du premier ministre du ministre de la justice de l'époque mais amna lima la wax ni té ku ko wéddi ngeen gëné mën nañu gënné preuve bi en détail parce que y avait tout un schéma pour
pour jouer sur la psychologie. Xam nga sauté nit ñenti fan ñenti fan dans des conditions yi mala wax mujjé gi xam nga fuñu mujjé ak mom li tax tay bu signé biñu ñëwé nan ko alal jarul li nangam nangam sa njabota ngi ni sa dom sa ben dom bi dafa bëggon xaru c'est vrai ben dom bu jigeet bi muy xey ñëna ko yob nañ sa papa elle a failli se jeter de la fenêtre nit ñi ci japp sa benen dom bi amna problème ba tank yi ñoo bloqué patati patata xam nga lolu nit la dañuy waxanté li am tay bu a flancher c'est pas une transaction bo xamné dafa né je reconnais avoir pris c'est pas une reconnaissance il a flanché par rapport à cette pression psychologique il leur a dit soudé alal aduna suma ko yalla mako joxat mën na mako joxat mais au moins je sauvegarde ma famille mune len soudé lolu ñu dem préparer pv bi bo pv paré na bu yag pour te dire ñu andi ko né ko signer mais même fofu dina ci arrêter même pv bi ça pose problème gis nga même su demone ba jugement code pénal dafa wax so lire les articles 30 31 du code pénal dañu né dans le cadre de cette infraction puni par l'article 133 bis du code pénal muy l'enrichissement illicite dañu né lorsqu'il y a condamnation ce qui n'existe pas encore mën nañu jël tous ses biens éventuellement mais s'il est marié mëno jël que le tiers et s'il a des enfants des ascendants et des descendants mëno jël plus du cinquième de ses biens nga listé tout le patrimoine c'est-à-dire so xolé niñu def dafa melni tay bu 36 ans durant musul liguey tu prends tout le patrimoine de la personne tout dali def cette pression psychologique là signé loko c'est-à-dire waji su paré won xam nga lan moko défé ben keur bo xamné une maison croulante moy bi mu ñëk am 79 bi nek cité des impôts nga nangul lepp mu melni un directeur du caras pour qui connaît ce qu'il a pu avoir comme revenu nangam nang nga né il n'a droit à avoir rien tu prends tout ce qu'il a donc c'est pour te dire que PV bi conditions yu mu intervenir c'est des conditions je le répète de torture psychologique qu'on a exercé sur la personne de Taïbou pour extorquer une signature. Et une justice ne doit pas fonctionner comme ça. C'est ça le danger des juridictions pareilles. Nous avons dit que pression bobo force pour avoir une signature. Mais, si nous avons une signature, vous pareil. Déjà, toute la procédure, pour te dire combien ce dossier-là. Mais les gens nous disent que nous n'y avons pas. Oui, c'est ce que nous avons dit dans toute la procédure. Mais les gens nous disent que nous n'y avons pas. Oui, pour nous dire que nous n'y avons pas. Oui, mais ce que nous n'y dernier point biñu amé sen biñu amé sen PV dañu dem jox ko saisir direction générale des impôts et domaines dali demander au conservateur melen mitelen bien au nom de l'état parce que liñuy wax yep tay bu amul ludul des biens immobiliers xam nga il n'a même pas besoin di kuy mandat dépôt bi parce que tay bu su dawon sax mais avol ba paré tout ce qu'il a mingi fi munuko yanu xam nga ak keur munoko dougal ci sac nan mangi daw donc il y avait aucune urgence ou aucun risque par rapport ak les biens yi ñu soxla ñom su doon dafa am ay compte bancaire offshore ñu denc xamu fan ñu né d'accord ki worul nañ ko ki mais ñu dem né d'ailleurs amna point bu ma abordé wul keurum gi nek Maroc dédé non amna point bu ma abordé wul moy njabotam bi nga wax li ñu am xam nga papa ali dafa am lo xamné ci dëkk c'est pas du mode de gouvernance dëkk mëno ko yor en suscitant la haine et la rancœur diviser le pays entre les bons et les mauvais les voleurs supposés et ceux qui sont propres encore que la classification est très subjective mais je dis yow sa soxna mën na di liggéey yor ay affaire bopam am autom am kërëm am li am la nga ñëw né dañuy def enrichissement illicite d'abord l'enrichissement illicite vise ñi nga xamné ils ont exercé des responsabilités publiques ce qui n'est pas le cas de la famille de Taïbou deuxièmement nañu jël soxnam dafa yor ligéem di commerce di dem di importer di ñëw gis nga yoy yépp connaissement yi muy importer ak limuy liggéey ak yépp dañ ko versé ci dossier bi elle n'est pas concernée par ce dossier là mais dougal nañ ko ci li ñi wax ay doomu Taïbou duñu ay doom ñoñu sen papa dafa nekkon de inspecteur du cadastre mo accueillir Taïbou jangal ko liguey yor ko ñu dem ba dugante bi mi genn aduna sur son lit de mort la ne Taïbou denk na la sama njabot
daal di yëkëti ben terrain ak 45 millions ne ko dama bëgg nga jappalé len défaral len kër ak kër yoy bokk na ci ñu bëgg saisir lool alal njirim la tay bu mom ko société do gis kenn ku sant ndjay doomu tay bu mu jur bo xamné nañ né amna terrain wala amna li ñoñu ciam lañu sant duñu doomu tay bu ils ont elles ont leurs activités yor seeni jëkkeer yu nekk exilier di liggéey di envoy xaaliss nangam nangam nga bëgg jël ben nit apprécier ko daal di jël mënon nañ jël sax ay mama ki ay sëtu ki lepp comme légui arisma ilisi suñuy jël dañuy jël dem fu kenn xamul légui ñu dem nek conservateur muté len conservateur yi tontu len ne len amna kenn ku muté ñaari kër ñen ñu len mënu ñoo muté pour des raisons techniques de droit la wax ben PV bo xamné tay bu moko signé mënu engager kudul tay bu lolu droit la yow so signé won ben engagement mëno engager sa jabar mëno engager sa dom parce que personne juridique distincte ngeen ku nek am droit am vieum am moyen deuxième chose ñu neulen PV de médiation pénale mënu servir pour muté parce que PV de médiation pénale ben élément de procédure la ñom parax paraxé motax ñu dugg ci lool mais dañu waron yobbu dossier bi ci juge bi au civil mu jël décision bo musul am donc le procureur spécial n'a pas le droit de saisir une administration nan ko mutel ça il a outrepassé ses prérogatives amul fenn fu mu amé droit bobu lool tax ñu arrêté wat waaw ñu né légui PV bi doyul c'est pas suffisamment constitutif d'un acte juridique pour ñu mëna muté ñettel bi ñu né len bay titre foncier mom état bi ko mom mënu ñu ko muté ci turu état wa lolu mu mer ci lolu dal di wowa tayb ne ko andil sa njabot yépp ngeen signé wala mu tejj la tejj sa jabar tejj sa dom lolu motax mu reprendre procédure mais la question bi ñu wara poser parce que PV bi ñu ko signé néna la condition yi ñu ko signé du condition yu respectable pour une justice mais malgré tout signé nañu PV bi limu wax moy mënuñu reprendre la procédure loolu ñaar yi soit tay bu dénoncer na PV parce qu'il a le droit de dénoncer le PV ba légui wala ils ont découvert des affaires nouvelles ñaaré ben amu ci parce que blocage bi mu am jëgël ci tay bu mom bi mi signé yow ngay homme de droit bi ngay signé do xam li may signé est-ce que ce sera exécutable en droit ou pas defuko mu signé dem ñu né ko li mënul am mu déllu ci wo nit ki né ko déjà la reprise de la procédure qui était classée sans suite mom moko bind signé ko c'est une violation du droit amul on droit reprendre procédure bi parce que il n'a pas eu un blocage émanant de Taïbou Ndiaye ben deuxièmement il n'y a pas d'affaire nouvelle bu mu gis mu dem reprendre procédure bi dajale njabot yépp né len da ngay signé li wala mu tej njabot gi yépp comme adul droit la justice du doxé nonou té nak mënu ñu nekk ci réew mu am sous prétexte que man ma yor justice dina def luma neex te kenn wax parce que justice ci bopom ñom nenañu état de droit la ñu bëgg restaurer lool le président wax mais état de droit ça suppose que tout le monde soit assujetti au droit celui qui applique le droit il doit être assujetti au droit mënul appliquer selon mom liko neex donc dama né reprise procédure bi ci bopom ça n'a pas de base légale encore moins fiñu jaar ba inculper ko c'est pourquoi les avocats ont déposé un recours devant la Cour suprême pour annuler la reprise de la procédure. Alors yeen ba légui donc je pense que tay en ce moment en prison donc vous le syndicat vous continuez à maintenir votre solidarité. Ñun liñu wax moy ñun ñewuñu pour parlo man dossier bi lima ci gêné dama nan li gêné na ma ci man lima ci gêné ci côté tay bi dama nan li gêné na ma ci li nga xamné it jaay doole la dañ nan li jaay doole la syndicat impôt du dem bané damay grève ngir li waye dinañu éclairer l'opinion kenn mënuñu ko téré dinañu wax li nekk ci dossier bi ak beaucoup d'autres choses yo xamné xajul ci débat bi wala suñu démé ba ci biir lay déllu ci non man ko bëgg na xam nga nénañu menace de déblage dafa am dédét tay bu menacé wul kenn mais ñun ño wax ni soudé li enrichissement illicite la mais ñun en tant que citoyen am nañu droit parce que les modes de saisine de la CRI dénonciation am nañu droit ñu né génné liste voilà des gens yo xamné ils ont un patrimoine conçu de la même manière mais ces gens là vous devez les entendre
su ko defé opinion bi dina juger. C'est ça aujourd'hui la position du syndicat. CDN Info, groupe Versamble 76 593 89 04, abonnement 16 ans, chaque ferme 16 ans, pour le moquer.